Salut à tous, ici DiceVision. On se retrouve pour la suite du challenge de post-game de Pokémon Colosseum. On est au Colosseum de Titanite, au niveau 100. Maintenant, on est à la deuxième moitié de ce tournoi de combat simple avec Suicune et un Latios en face de loup. Ok. Faut être très 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 prudent. Ok, je dois mettre... Honey. Suis de... Est-ce que Gumi serait en danger? Il me faut Jean et... Et Morgane? Ouais, je crois que c'est le bon choix. On y va comme ça. Allez, qui t'envoie sur l'un? Et c'est Kubotoki. D'accord. Ce qui est bien avec Kubotoki, on peut se booster un maximum pour faire le plus de dégâts possible qu'il ne pourra pas survivre. Il sait que mon Pokémon est spécialiste en attaque spéciale, il veut juste faire du poil miroir. Je vais y aller à plus 6. Il ne pourra rien faire du tout. Et le 4. Et le 5. Oh, j'ai jamais fait ça avant dans ce jeu, mais c'est l'occasion parfaite. Allez, 6ème. On est boosté au maximum pour les stats. Par contre, pas vraiment pour l'attaque qu'on veut faire. On veut mettre la danse pluie, comme ça les dégâts d'attaque haut vont être encore plus fortes. Doublé. C'est parti. Hydro-canon! Ha! 577 PV! Réduit à zéro! Et voilà Suicune! Par contre, le mien, là, il est boosté au max! Tu pourras pas l'égaler! Alors, je suis désolé, mais Hydro-canon! Allez, vas-y! Vas-y, allez! Un Suicune qui peut pas résister à une attaque haut! Vous avez déjà vu ça? Et ben voilà comment ça se passe! Malheureusement pour le Latios, mon hydrocanon va faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts que Blizzard. Je pense que il va même mourir, même à une plénitude. Allez, vas-y, Oni! Oh yes, toute sa vie! Et c'est le meilleur... c'est le sweep le plus facile que j'ai fait de tout le jeu! Wow! Il y avait ces deux légendaires, là! C'était la meilleure stratégie à faire. Victoire parfaite, excellent. On continue, combat numéro 6. Et oh non, trois légendaires dans la même équipe cette fois. Asma, Kyoraiku, Latias, Rayquaza. Oh my god. Oh my god. Ok, ok, ok. Je suis pas sûr d'avoir l'occasion, comme j'ai eu, là, avec Oli. Surtout si Raikou se montre. Malheureusement, Oli, c'est meilleur que j'ai pour ces types dragons. Et voilà. Donc, je vais devoir la mettre en tête. Suivi de... Suivi de Jean. Ouais. Et finalement... Oh,
Ok, ça peut être tendu pour le dernier. Je pense que ce serait bien avec Morgane. Allez, let's go. Ça risque d'être très très dangereux ce match. Surtout avec les légendaires qu'elle a. Et qu'est-ce qu'elle envoie en premier? Et Crémeux. Crémeux, vraiment. Ok, je vais tenter le boost avec plénitude. Plaquage? Oh non. C'est trop facile de paralyser avec ça. Et son attaque est trop forte. Ok, je peux pas... Vaudrait mieux que j'en fasse pas plus. J'attaque Hydrocalon. Allez, Honey. Parlez-y, mais s'il te plaît. Hydrocalon. Good! One shot les crémeux, oh yes! Par contre, je peux pas faire grand chose, je suis déjà à moitié de la vie, place au Raikou! Ah! J'aurais dû mettre Meganium. À y réfléchir, j'aurais dû mettre Meganium. Ouais, vaut mieux que je laisse Honey mourir, là. Faut pas prendre trop de dégâts sur un autre Pokémon, malheureusement. Faut que j'envoie Jean. Et la Sandstorm qui va nous aider. Et là, séisme. On ne meurt pas, mais ça fait mal. Allez, Jean, fais le maximum, s'il te plaît. C'est pas assez. C'est seulement... Oh, il a survécu qu'à un PV pour ça. Oh, j'ai une solution, abri. Ha! Comme ça, c'est la Sandstorm qui va le tuer et on va pas prendre de dégâts supplémentaires. Bye bye Raikou! Ok, il ne lui reste que Latias. Et ici, Latias peut avoir séisme. Elle peut avoir séisme! Je vais y faire abri pour déjà mettre un coup de Sandstorm. Et la surf, c'est encore pire. J'ai raté abri en plus. Oh. Correct. Morgane, on est dans le gros trouble. Alors, faut sacrer votre résisté, t'en as aussi. Et je suppose qu'il va pas l'être. Faudrait carrément que je crite la tiasse. Vraiment. J'ai pas le choix.
Je n'ai que Morgane. Et là, à la moindre occasion, elle va tuer. Elle va tuer mon haut. Ok, je la touchote, mais c'est pas suffisant, là. C'est pas suffisant du tout! Vol et vol surf. Oh non. Oh! On survit! 24 PV! Zone rouge! Oh non! Oh, je vais mourir de la sans-forme. 2 PV! 2 PV survécu! De là, Morgane, faut pas rater le vol. Vol sur la tiasse! Allez! Wouhou! Oh yes! Survécu à 2 PV! Seulement 2 PV! Oh yes! À ce moment, tu m'as montré un très beau combat. Waouh! Mais au final, c'est moi qui est victorieux. Et on continue, et cette fois, la demi-finale. Attention, oh non, my god, oh yoï. Kyogre, et il y a Lagron, qui peut être dangereux, et je vois un Pokémon que j'ai jamais vu dans le jeu avant, Scizaionx. Later. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Kyogre, Laser Glass, Surf, et Danse Pluie. Et je sais pas, Fatal Foudre en quatrième, j'ai déjà vu U faire ça dans le combo double. Qu'est-ce que je peux faire contre ce Kyogre? Mais je peux le tenter. Plénitude. Oh non, il est Fatal Foudre. Je savais pas qu'il y avait ça. Là, ce Kyogre est inarrêtable, il est imbattable! Match later. Comment ça, je peux pas suspendre? Je peux juste suspendre à la victoire! Thousands of tears later. J'ai perdu 3 fois face à ce Kyogre. Il utilise aucun autre Pokémon en tête. Il est juste pas possible à penser. À part survivre. Ah, très peu de chance, très peu de chance. Il me faut Leonardo. Il me faut Anna. Et après ça. Ça, il me faut. Je sais juste pas, c'est juste impossible de penser. Combat le plus désespérant que j'ai jamais fait. Là, la seule chance c'est de survivre à un laser glass. La mort de Kyogre, le frère. On va avoir hyper de chance. Une énorme chance. Ça peut arriver. Ça arrive. Ça arrive. Ok. Et là. Qu'est-ce que je peux faire? Je laisse mon Pokémon mourir? Je laisse Kumi mourir?
combien est plus rapide, mais... Je laisse Scooby mourir. Le Lardo peut m'être utile contre d'autres Pokémon comme Lagron. Si j'aurais une chance. Ma seule option serait... Alors... Pour battre ce Kyogre... Faut tanker deux laser glaces. C'est possible. Faut pas se prendre de crits. Faudrait... Ce serait bien d'en donner des crits. Je peux même pas le tuer. Oh, une paralysie, hein! Mais voilà, belle cerise. Je reviens juste pour... Ok, abri, je reprends le PV. Maintenant, celui-là, faudrait pouvoir le tuer tout le reste de sa vie. Oh, stop. Allez, tonnerre, fais le maximum, un crit, s'il te plaît. Oui! Qui a les filles? J'en dis bon, ça coûte... Presque deux Pokémon pour le battre! On va dire... Non, presque toute ma team, bon sang! Je reviens juste pas ce qui se passe. Ok, je fais un abri. Vraiment, que j'éclaire. Je déteste. Trop de... Oh non. J'ai... Ok, double abri. Tant mieux. J'ai misclé et... Je voulais pas... On se concentre, ok? Plénitude. Plénitude, allez. Yes. Ok. Maintenant, on fait un autre abri. Et on est full par là. Ok, raté. Ok, Plénitude encore. Si Raichu n'a rien et le meilleur, on est pas trop mal. Plénitude. On aurait mieux se booster au maximum. Je fais un abri. Et regagner des PV en même temps. On veut le Pépistole son Fatal Foudre. Je pense que ça fait 4 qui ont voulu le faire. Il y en a 10. Cinquième, il a raté. D'habitude. Ok. Encore abri. Ok, rat. Ok, ça fait 6. On y va pour ma chouille. J'ai fait 3 plénitudes. Voilà, j'aime pas ça. Ok. Il faut pouvoir l'attaquer, là. Non, mais 2 full para de suite. Mais une chance qu'on le déresse. Et il nous met un crit. Fallait pas que ça arrive. Allez, ma chouille. Ok.
Ok, c'est pas assez pour le tuer. Défense spéciale PC, ouais. Bien. On va faire un abri. Je sais pas qui va être son troisième Pokémon. Je préfère le mieux préparer le mien. En faisant une plénitude de plus. Ok, on est à plus 4. Encore abri. Ok. On y va, Machouille. Non, mais... Ok, je connais pas trop l'attaque parce que là, elle fait de plus en plus de dégâts. Je n'aime pas ça. Malheureusement, mes pellicules vont peut-être pas servir pour le dernier Pokémon. C'est un pharaon. Ok, abri. Et Fatal Foudre, ok, je vois. S'il peut les rater, ce serait très bien. Je mâchouille. Patrate. Oh non. Stop! Ok, on survit. Grâce aux plénitudes, on survit super bien. Fait un max de dégâts. Ok, encore un coup à lui mettre. Faut surtout pas se prendre de crit. Ce serait bien. Yes! Il a raté! Machouille! Vas-y, finis-le! Fini! Le farb! Wouh! Oh yes! Demi-finale remportée! Et ça a été un combat hyper dur, mon sang! Si j'aurais pas. Si j'aurais pas. Bien géré le Kyogre! Et surtout booster mon alors là, ce serait fini! Mon Meganium n'est pas en mesure de combattre! Très peu de chance qu'il aurait été utile. Mais là, let's go! Combat final! Oh my god! Ça va être dur, il y a Groudon, Libégon, Brazingali. Et Rafflesia, Tangela et Skymars. Ok. On se concentre, ok. Avec Groudon, je vais être en priorité. Honey qui peut mettre la danse pluie, suivi de Gumi et Morgan. Ouais, on y va comme ça. C'est parti. Ok. Dans les combats les plus durs du jeu. Faut se concentrer. Il commence avec Groudon, tout comme l'autre qui commence avec son Kyogre. Ok. Je me disais bien. Et la sécheresse, ouais. On peut tanker une attaque, j'en suis sûr. On met la danse pluie, ok. S'il te plaît, survie. Oh non, pourquoi un crit? On a survécu un crit de Groudon. Ok, mais là, grâce à la danse pluie, je sais pas trop quoi. On peut. Il faudrait finir le Groudon avant de remettre Ali sur le terrain. Aïe, c'est très très tendu.
Honey, mon meilleur Pokémon pour Groudon, je vais devoir envoyer. J'envoie Gumi. Ouais, j'envoie Gumi. On évite le séisme. Par contre, la pluie n'est pas éternelle. Le mieux, ce serait... Oh non. Faut pas que ce soit trop de dégâts. C'est beaucoup de dégâts. S'il te plaît, mets-lui une paralysie avec Draco Souffle. C'est pas assez comme dégâts, mais paralysie, s'il te plaît. Il y en a pas. J'aime vraiment pas ça. Ok, J'aurais dû faire piquer. Là, mon Pokémon n'est pas assez rapide. Faut pas que ce soit un crit. Faut tanker. Aïe. Mais il a paralysé avec un autre Draco Souffle. C'est le seul moyen d'attaquer une autre fois. Et avant lui. Oh yes! Good! Grâce à ça, je peux le tuer au prochain tour. Il faut juste que je laisse Gumi mourir. Pour cette fois-ci. J'ai fait un séisme. Ouais. Fallait pas s'attendre à beaucoup de dégâts. Ok. Là, je mets Honey. Il y a plus de pluie. Par contre, je peux y faire assez de dégâts avec Hydrocanon. Faut juste... Non, fallait pas... Oh yes! Full para! Hydrocanon, ne rate pas. Merci. Et Groudon KO! Oh yes! J'ai eu moins de mal avec lui qu'avec Kyogre. Tant mieux. Brasigali. Lolo, c'est très tendu. Brasigali. Je sais pas si je le dépense. Si je le dépense pas, on y va mourir. Ce serait peut-être mieux que j'envoie Morgane. Ouais, je vais envoyer Morgane. Morgane devra faire le maximum. Ouh, on s'est évité un séisme. Ok, good. Et puis là, vol. Ténacité. Oh ouais. Et il en remet un. Fais-lui toute sa vie à la vague vol. Allez, Morgane! Ok, survécu un bébé. Et la Bessina, je vois. On va y faire tonnerre. Oh non, aïe! Je fais la moitié de la vie avec un contre! Mais au moins, deux Pokémon KO chez l'adversaire. Et il ne reste que Kaimors. On est plus rapide que Kaimors avec Suicune, par contre, entre là. Qu'est-ce que je peux faire contre Kaimors? Il va faire trop de dégâts avec une attaque haut. Je serais mieux d'attaquer tout de suite avec Tonnerre! Ce serait bien d'y mettre une paralysie ou un crit, s'il te plaît. Ah, je le touche, ok, mais je suis pas sûr de survivre, là. Vraiment pas sûr. Ah ouais, Laser Glass, une attaque à dégâts neutres. Ah ben, vraiment, wow. Un gros tant mieux, wow, parce que... Ce Kaimors a permis qu'on puisse survivre, et puis qu'on puisse le battre, et puis remporter le tournoi. Wow! Hey,
vraiment, il était beaucoup, mais énormément plus désespérant, le combat de demi-finale avec Kyogre. Mais là, oh yes! Combat final remporté! Le tournoi en combat simple, Colosseum Titanite, fini! Oh yes, je suis extrêmement content. Vous pouvez liker, vous abonner, ce serait super apprécié. Soyez là pour le prochain Colosseum. Attendez, je crois que je peux vous le montrer. Donnez, sauvegardez. Oh yes. C'est tout le temps inquiétant, il m'est arrivé des problèmes avec ça auparavant. Mais là, le Colosseum est totalement fini. Et, ah, c'est vraiment le Colosseum de Rhodes au niveau 100. Je pensais que ça aurait été peut-être le Colosseum de Targar. Lui, il était vu en post-game du mode scénario de Pokémon Colosseum. Mais c'est une version niveau 100 du Colosseum de Rhodes. Antique et mystérieux Colosseum, quel genre de dresseur y a-t-il? Si ça dit ça, comme pour les niveaux 50, et là, le Colosseum de Titanite, il disait élevé, c'était beaucoup plus dur que la difficulté élevée de Sureb. Donc là, déjà que ça, je considérais extrême comme niveau de difficulté pour Expert. Alors là, vraiment, ce sera l'extrême, voire l'impossible pour ce road au niveau 100. Merci d'avoir été là, et... à plus!